Je rêve d'avoir plein de cadeaux. Mon rêve plus tard, c'est d'avoir un animal fantastique. Lire dans les pensées des autres. Mon rêve à moi, c'est de savoir voler. Et j'en ai un deuxième. Pour la réalité, hein. Ouais. Être pro au foot. Faire médecine pour être médecin. De voir Ronaldo en vrai. Et voir que l'Italie gagne la Coupe 2022. Et voir un vrai transformeur. Mon rêve, c'est de me transformer en Kiryu. C'est un robot gigantesque qui est super puissant. Dans le futur lointain, je rêve d'être invisible. Je sais pas. Je rêve de voir des robots de Fanat Freddy Security Breach. Mon rêve, c'est d'être infirmière, réussir mes études, être athlétiste, faire le tour du monde, être Shuri dans Black Panther. Mon premier rêve, c'est que le Covid disparaisse, ouais. De réussir mes études, d'être médecin, d'être riche, d'avoir une villa, de me téléporter, de parler avec les animaux et de faire le tour du monde avec mes parents et ma famille. C'est d'être millionnaire. C'est de réussir mon bac et devenir urgentiste ou vétérinaire. Moi, c'est de savoir tout le futur. Par exemple, mon futur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir mon permis de conduire quand? Voilà, à quel âge? Mon rêve à moi, c'est de réussir mes études et de devenir médecine. Mon rêve à moi, c'est d'être footballeur. Moi, c'est d'être un footballeur. C'est que je m'en fous. Je voudrais que tout le monde soit invisible et vole. Mon rêve à moi, c'est d'être invisible pour que je fasse ce que je veux, mais les autres, non. Parce que j'ai envie d'être seule. Je voudrais transformer le quartier en tout, enfin, tous les villas. Enfin, il y aurait beaucoup de villas en place des maisons. De parler avec les arbres. Parce que quand je voudrais quelque chose, bah, je pourrais lui demander. La maison de demain. La femme de demain. La voiture de demain. L'arbre de demain. Notre arbre rêve d'avoir des feuilles. Pour être comme les autres. L'arbre rêve d'avoir des super pouvoirs. De se transformer. Le rêve de l'arbre, c'est devenir plus grand. L'arbre veut des bras et des jambes, aussi des yeux. L'arbre, il est tout le temps accroché au sol. C'est pour ça qu'il a envie de voler. L'arbre rêve d'avoir des ailes et de voler. Rêve à l'arbre, c'est de se promener à la forêt avec un cheval blanc. C'est l'histoire d'un arbre triste qui voulait grandir. Il était petit et n'avait aucune feuille. Une maison lui donne des feuilles et une couronne. Mais lui, il voulait grandir pour voir haut et trouver sa famille. Mais il veut devenir géant pour protéger sa famille. Il est parti à l'aventure pour trouver quelqu'un qui pouvait résoudre son problème. Il doit passer plusieurs épreuves pour pouvoir grandir. Il vit plein d'aventures passionnantes pour arriver à ses fins et fait la connaissance de 3 personnes extraordinaires. Il se fait des amis qui sont la maison et la voiture. La maison, la femme de demain et la voiture. La voiture, la maison et la femme. Mais aussi une ennemie qui est la femme. Il demande alors à ses amis où il pourrait trouver une potion ou autre chose. Un jour, la maison l'informa qu'une voiture donnait une potion magique et que grâce à la potion, il pourrait grandir. À
il devient géant grâce à une voiture magique et va partir protéger sa famille. Il grandit avec une potion. Avant d'être enfin présentable devant sa famille. Bonjour, j'ai entendu que tu étais magique. Peux-tu me donner des feuilles ? Oui, bien sûr. Voilà pour toi, plus une couronne pour que tu sois royale. Merci infiniment. Salut. Coucou. Tu la connais, elle ? Il paraît qu'elle est méchante. À l'aide ! À l'aide ! Au secours ! Quoi ? Tu parles ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Veux-tu jouer au foot avec moi ? Oui. Merci. Mbappé vient au monde de ma voiture. Oui, Ronaldo, avec plaisir. T'as vu comment elle va vite ? À l'aide ! Aidez-moi ! Au secours ! Aidez-nous ! Mbappé, j'ai un mot trop sur le monde de ma voiture, ne t'inquiète pas. Ok, si tu dis. Je vais t'attraper. Waouh, pourquoi on s'en veut ? Passé, je n'ai aucune idée. Aïe, aïe, bon. Salut le robot. Les humains font que dormir et manger. Salut. T'as totalement raison. Au voleur. Allez, vas-y. Ha ha ha. Bien fait pour lui. Thank you.
L'arbre, tu vois l'homme? J'ai un truc à te dire dessus. Eh oh! Oh oh! Il m'énerve, il fait rien. Il fait que dormir et manger cette grosse baleine. En plus, il est lourd et il ne sait pas conduire. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Ah!